Voici l'histoire de petits animaux, discrets, fragiles et très attachants. En ce début de printemps, tous ont une seule obsession, retourner dans l'étendue d'eau où ils sont nés pour, à leur tour, créer la vie. Voici donc la vie tumultueuse de crapouille, s'apprêtant à affronter mille et un dangers avant de conquérir sa belle. Hé, toi ? Oui, toi ? Tu me vois ? Non ? Alors souffle bien fort sur les feuilles. Me voilà. Je m'appelle Crapouille. Je viens de passer tout l'hiver, bien au chaud, sous les feuilles de ces arbres. Et maintenant que le printemps revient, il me faut retourner dans les temps où je suis né. Allez, au revoir. Eh bien ça alors? Mais c'est quoi ces monstres d'acier? Et comment je fais pour traverser? Tu parles de ralentir. Tiens, il y a quelqu'un là-bas. Et s'il avait la bonne idée de m'aider à traverser cette route dangereuse? Il m'a alors expliqué qu'une poignée d'hommes et de femmes s'étaient penchés sur ce problème. Comment ils font? Observe bien les images qui vont suivre. Alors, nous mettons un bâton dans le seau afin que les mulots, les petits rongeurs, tomberaient dans le seau, qu'ils puissent avoir un moyen de remonter. Et voilà, nous sommes tous de l'autre côté de la route, sains et saufs. Et maintenant, pas de temps à perdre. Voilà des mois que je n'ai rien mangé. Et quelques insectes feront l'affaire. Tiens, je voulais te dire, tu as de la chance de me trouver ici en plein jour. Habituellement, nous migrons vers les étangs la nuit. Mais c'est maintenant, vois-tu, que commence mon long et difficile parcours du combattant. Nature poubelle. Martin pêcheur de grenouilles. Quelques rares amis quand même, comme les colverts et les oies sauvages. J'ai une surprise pour toi. Suis-moi. Tu dois penser que je suis paresseux parce que je me laisse porter sur le dos de ma belle. Eh bien non, je m'accroche à elle pour être certain que dans l'eau, c'est moi qui répandrai ma semence sur les œufs de ma belle pour les féconder. Je me souviens t'avoir dit que je retournais à l'étang où j'étais né. Eh bien, nous y sommes. Les couples de grenouilles et les couples de crapauds reviennent toujours là où ils sont nés, pour se reproduire. Et crois-moi, nous ne faisons pas semblant. Avec Crapouillette, ma belle, nous laissons des milliers d'œufs qui deviendront têtards. Mais tous ces œufs et tous ces têtards font le repas du jet. Du héron cendré. Et même dans l'eau, les poissons se régalent de nos œufs.
Et si jamais dans l'eau nous avons survécu, sur terre, lorsque nous repartons dans la nature, voilà ce qui nous attend. Et lui, si mignon, je m'en méfie. Explique-moi maintenant pourquoi les êtres humains sont capables de nous sauver des monstres d'acier sur les routes. Et en même temps, ils sont coupables de ça. Tu peux m'expliquer ? Brrr, quel cauchemar ! Ça fait froid dans le dos. Enfin, si je puis dire. Je me sens mieux en pleine nature. C'est mon domaine. Bon, je file maintenant. J'ai rendez-vous avec mon ami le bœuf. Nous allons tailler une bavette. Non, ce n'était pas une bonne idée. J'ai été très heureux de te rencontrer et de te raconter ma vie de crapaud. Pas toujours facile. Au revoir et à l'année prochaine.